Marc, la mémoire associative par renforcement de contexte. À la manière du fonctionnement de la mémoire humaine, cette nouvelle technologie permet à l'ordinateur d'apprendre. Voyons la différence entre le fonctionnement d'un ordinateur et celui d'un cerveau. Un ordinateur n'apprend pas. Il enregistre. Il sauvegarde des données, textes, audio, vidéo, les unes à la suite des autres dans des listes statiques, à des adresses fixes. Des logiciels très coûteux en temps de calcul opèrent sur ces données non organisées. Les moteurs de recherche fonctionnent sur le même principe avec des centaines de milliers d'ordinateurs. Lorsque vous faites une recherche sur Google, Google utilise ses propres algorithmes pour vous présenter des données Internet stockées en mémoire de manière statique. Ces données étant statiques, Google recalcule sans cesse des masses de données colossales pour tenir compte des nouveaux articles. Maintenant, comment fonctionne la mémoire humaine lorsqu'elle apprend? Si je vous dis « belladone », a priori, un certain nombre d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Et si je vous dis « botanique », « végétal », vous allez commencer à vous douter que la belladone est une plante, et vous avez bien raison. Vous venez de mettre en contexte le mot « belladone » et donc d'apprendre ce qu'est la belladone. Je peux aussi ajouter son nom scientifique, Atropa belladonna, pour votre culture. Si j'ajoute « sorcière », « toxique » et un certain nombre d'autres mots, vous apprendrez bientôt que la belladone est une plante dangereuse, mortelle même, et qu'elle est connue dans les croyances populaires comme étant la plante des sorcières. Plus on ajoute de contexte, plus vous apprenez de choses autour de ce mot. Notre mémoire évolue donc en fonction des nouvelles informations apportées. Notre apprentissage est dynamique et crée de la connaissance. Vous avez appris, vous pouvez utiliser votre connaissance. La technologie MARC, elle, gère les données en les organisant dynamiquement par contexte. Avec la MARC, les données sont en perpétuel mouvement et s'auto-organisent. Elles se placent automatiquement en contexte, en lien avec les données qui ont le plus de sens. Si l'on ajoute une donnée, elle sera placée automatiquement dans son contexte. Et c'est le fait d'organiser les données par contexte qui permet l'apprentissage. Cela ressemble à s'y méprendre au fonctionnement de la mémoire humaine. Lorsqu'une donnée est ajoutée, elle se place automatiquement en contexte, en lien avec les données qui ont le plus de sens. La MARC est donc un système dynamique permettant l'apprentissage. Nous venons de vous expliquer comment la technologie de la MARC peut traiter des informations textuelles. Elle fonctionne automatiquement pour n'importe quel langage humain. Maintenant, comment utiliser cette connaissance ? Un exemple simple d'application reposant sur la technologie. Trouver en temps réel tous les articles ayant un rapport de contexte avec un article sélectionné. Nous avons nommé cette application Similar Article. Il existe de nombreuses autres possibilités d'application de la MARC. Par exemple, pour des moteurs de recherche, trouver des articles ne comportant pas le mot-clé cherché, mais correspondant à un contexte donné. Pour le traitement en temps réel de flux d'informations émanant d'agences de presse telles que Reuters ou l'AFP. Pour la redirection automatique de données telles que les courriels, des tweets, etc. Ou pour un contrôle parental pertinent. Cette liste n'est pas limitée, car l'outil que nous fournissons pourra s'intégrer facilement à n'importe quel développement informatique utilisant des bases de données importantes. Fondamentalement, la technologie MARC traite le texte non pas comme tel, mais comme un signal. Ainsi, elle pourra à terme apprendre et donner du sens à n'importe quel corpus de signaux. Des images, des signaux sonores pour la reconnaissance vocale, des signaux météorologiques tels que la température, l'hydrométrie, afin de modéliser dynamiquement les cartes et proposer des prédictions sans intervention humaine et en temps réel. La technologie MARC apporte d'autres avantages considérables, aussi bien en termes de performance que d'économie d'énergie. Avec ce nouveau mode d'apprentissage,
Plus le nombre de données est important, plus les systèmes d'indexation de ces données sont économiques en utilisation de mémoire. Les systèmes d'indexation classiques augmentent linéairement plus le nombre de données augmente. Toute tentative de rendre ce genre de système plus intelligent augmente considérablement la mémoire nécessaire. La technologie MARC limite l'augmentation des tailles des index uniquement aux nouvelles données inconnues. Dans le cadre du texte, lorsqu'un langage tel que le français est appris dans son intégralité, la taille des fichiers d'indexation ne change pratiquement plus. Il faut, comme nous l'avons vu précédemment, environ 10 fois moins de ressources de mémoire, donc 10 fois moins d'ordinateurs. À terme, ce ratio sera de 100 lorsque la marque sera matérialisée sous forme de chipset. L'ensemble de ces informations et le concept de la marque ont été validés par le professeur Bérou de l'Académie des sciences, ainsi que par des acteurs majeurs du monde de l'informatique. Voilà, vous venez de faire la connaissance avec le premier moteur d'apprentissage, ou moteur de savoir, suivant les termes de Google, qui concrétise la première étape de la création d'un neuroprocesseur.